Monseigneur Ravel, bonjour. Bonjour. On va revenir avec vous sur cette période un petit peu exceptionnelle que l'on vient de vivre. Commençons par le confinement. La moitié de l'humanité a été confinée pendant plus de deux mois. On est à 15 jours de la fin du confinement. Quel regard vous portez sur ce, cette décision politique, d'une part Et d'autre part, comment vous, Monseigneur Ravel, vous avez vécu personnellement ce confinement alors la plupart des pays, en tout cas européens, vont déconfiner, selon un mot qui n'existe pas, euh, mais il faudra continuer de penser à d'autres continents, je pense euh, l'Amérique du Sud, hein, qui sont encore en pleine tourmente. Alors ce confinement est évidemment inédit, inouï et d'une violence extrême. Le fallait-il? Ça, c'est l'histoire qui le dira. Ce n'est pas à nous contemporains de le dire. C'est simplement de remarquer que pendant ce confinement, il y a eu des comportements tout à fait extraordinaires. Et je pense à tous ces héros, soignants et autres. Et il faut le souligner tout de suite. Après, moi, personnellement, je l'ai à la fois bien vécu et mal vécu. Bien vécu parce que, a priori, j'ai pas eu de symptômes décisifs dont je étais en bonne forme physique et on a beaucoup travaillé avec nos collaborateurs. Et en même temps, je l'ai vécu de façon douloureuse en pensant à tous ceux qui étaient dans des lits d'hôpitaux, à toutes ces grand mères qui n'ont pas vu un visage humain concret pendant deux mois, malgré tous les, les réseaux sociaux. Je pensais à tous ces pays qui vont souffrir terriblement aujourd'hui des conséquences de ce confinement. Donc, en conclusion, je dirais que c'est comme toute fléau, comme toute crise, ça a pu faire émerger des choses fantastiques, des, des comportements d'un courage inouï. Mais globalement, ce confinement a été d'une violence incroyable. Alors, pendant cette période, euh, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de créativité de la part de l'Église, de la part des chrétiens pour euh, Rejoindre leur père par les réseaux sociaux, par Internet, etc. Est-ce que vous y aviez été sensible, tout d'abord Et, et vous-même, monseigneur Ravel, comment vous avez euh, rejoint les chrétiens, le peuple de Dieu, pendant aussi ces deux mois de confinement alors, nous avons été sauvés, si j'ose dire, par le numérique. Enfin, encore que c'est toujours notre Seigneur Jésus qui nous inspire avec son esprit. Et ça nous a permis d'avoir quand même des contacts minimums. Et, et donc, il y a un paradoxe à la fois. On a pu densifier, vivifier à travers toutes nos propositions. Par exemple, cette grande neuvaine qui s'achève ce week-end avec la Pentecôte, hein, qu'on a préparée, qu'on a invité à vivre, pas tout seul, en petit Sénat, petite fraternité de dix. Voilà. Donc, beaucoup, beaucoup d'initiatives diocésaines. J'ai essayé aussi de commettre un certain nombre de vidéos pour soutenir, qui ont été, je crois, très bien relayés. Et donc, ça a permis, à travers les écrans, de maintenir une vie spirituelle euh, que j'appellerais euh, individuelle et collective. Individuelle profondément, mais un peu collective, parce que nous participions aux mêmes propositions. Voilà, ce n'était pas chacun pour soi, même si c'était chacun chez soi. Alors cependant, je crois qu'il nous faut maintenant, avec une grande joie, retrouver ce qui fait le cœur de l'Église, c'est-à-dire un « assemblement Église », pour ceux qui ne le savent pas, vient d'un mot grec qui veut dire « ceux qui s'assemblent, ceux qui se réunissent, qui se retrouvent le visage euh, tourné ensemble vers le Seigneur ». Mais on pourra regarder à la fois ce, cette manière de communiquer, euh, par le numérique, et aussi retrouver nos assemblées, on peut… Concilier les deux. Alors, je, je crois qu'on a effectivement à concilier les deux, en particulier pour nos réunions. Je pense à tous nos acteurs de la pastorale, ou tous nos groupes, les équipes, les mouvements. Et il y aura une question à s'opposer à chaque fois. Qu'est-ce qui nécessite la présence vraiment, ce qu'on appelle le présentiel Et quelle réunion, par exemple, de concertation ou de travail ou de conseil d'administration, peut très bien se faire de façon virtuelle en distance travers des outils modernes et ça nous fait économiser aussi de l'argent, du temps, du stress, les déplacements, etc. Et puis ça a une vertu écologique. Voilà. Donc il faudra qu'on qu balance entre les deux, avec cette redécouverte pour beaucoup de nos anciens de la force du numérique et en même temps ne jamais s'y cantonner. Alors il y a des choses douloureuses aussi qui ont été constatées pendant cette crise. C'est euh, tous ces gens qui ont perdu des proches et qui ne pouvaient pas aller, la voir, euh, aller les voir pardon, euh, au crépuscule de leur vie, ou les accompagner pendant les obsèques. Et là, peut-être que l'Église aura un rôle à jouer après cette crise pour accompagner ces familles qui sont fortement traumatisées, et peut-être pour rendre hommage aussi à toutes ces personnes décédées. Nous avons déjà incité fortement tous les prêtres et nos acteurs en pastoral à reprendre contact, à maintenir d'abord un contact personnel, euh, et puis à reprendre un contact au moment de la reprise et proposer une célébration d'obsèques. Bien sûr, rien ne remplacera le fait de ne pas avoir tenu la main de son chéri, de sa femme, de son mari, avec lesquels on a vécu 50 ans. Mais on pourra quand même célébrer de façon collective des deuils dont certains sont discrets, mais d'autres ont profondément marqué. Je pense au décès d'un certain nombre de nos mères. On sent qu'il y a un besoin de la communauté, la communauté civile, même la commune, de manifester à nos revoirs. Alors on va faire ces propositions-là. Je crois que c'est important. Il y a deux temps forts aussi qui auront lieu à la fin du mois. -là juin euh, à la cathédrale de Strasbourg. Pouvez-vous nous en dire un mot Au niveau du diocèse, euh, deux, trois temps forts si j'ose dire, même euh, fin juin on va faire une proposition pour euh, le deuil, vivre le deuil au niveau collectif. D'abord pour tous les toutes les personnes qui sont décédées, en particulier le personnel soignant à la cathédrale de, de, de Strasbourg, et puis une autre pour tous nos prêtres qui sont décédés du Covid ou d'autres choses, mais il y en a presque une vingtaine au total. Il faut quand même qu'on marque le coup, car eux aussi ont été enterrés dans les mêmes conditions un peu étonnantes. Et puis alors, le 12 juillet, la messe pour la France, habituelle, traditionnelle, je veux en faire, à l'instar du 14 juillet, un hommage pour tous ceux qui nous ont portés, qui nous ont soignés, accompagnés, pendant toute la crise, euh, en première ligne ou en deuxième ligne ou en troisième ligne, mais qui ont été là et qui ont travaillé énormément. Abordons, si vous voulez bien, cette phase de déconfinement et, pour les chrétiens, de reprise des cultes, puisque un certain nombre de, de messes ont pu reprendre pendant le week-end de l'Ascension. Et on a eu pendant quelques jours une phase judiciaire intense, avec un décret euh, des gens qui ont porté cette affaire devant le Conseil d'État, euh, un nouveau décret qui a été pris euh, dans la nuit, euh, il y a quelques jours, nuitamment, et qui vous a obligé à réagir assez rapidement, euh, des associations catholiques, des groupes les groupes ou des groupes issus du catholiques ont porté cette affaire devant le Conseil d'État ainsi que des personnes individuelles à titre individuel euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cette cette phase judiciaire est-ce que, que comme l'ont dit ces associations la liberté de culte était en jeu alors, c'est pas du tout ce qu'a souligné, en effet, l'ordonnance le, 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 hein, du juge de référé du Conseil d'État. Il est bon de le dire. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces associations ont été rejetées hein, dans, leur, dans leur recours. Voilà quelques personnes qui ont appuyé au bon endroit et par la voie judiciaire, celle du Conseil d'État, à savoir sur la disproportionnalité de cette mesure prise à l'encontre des cultes, alors qu'à côté de cela, dans les magasins et autres, on prenait des mesures beaucoup plus proportionnées. Donc, cette question de la proportionnalité a été le point majeur. Ensuite, toutes les voies, pourvu qu'elles soient morales et légales, sont bonnes. Ça n'a pas été le choix de la conférence des évêques de France, parce que nous avons une tradition d'un siècle, exactement. 1920, on a repris contact après des moments extraordinairement durs. Il faut se souvenir du, de l'anticléricalisme du début du XXe siècle, hein, les lois de 1901, 1902, 1904, 1905. Ça a été épouvantable. Rupture entre l'Église et la République. Et depuis ce 1920, on a décidé désormais de travailler ensemble à la paix civile et au maximum de dialoguer. Et c'est donc absolument sur cette posture traditionnelle depuis un siècle que nous avons traversé toutes les guerres, toutes les épreuves, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, etc., avec parfois des tensions fortes, mais toujours un dialogue constructif. Et si j'ai une remarque à faire, en effet, un souhait à émettre, c'est que nous poursuivions ce dialogue entre l'Église et l'État, et peut-être de façon plus adulte. Pour dire les choses concrètement, qu'on nous tienne vraiment pour des personnes responsables, prudentes, capables de construire des plans de déconfinement ou de reprise cohérents et prudentiels, qu'on ne nous demande pas de proposer des plans et de ne pas en tenir compte, je crois que nous avons assez de maturité et de responsabilité pour cela. Et tout le monde sera gagnant et ce sera la paix civile. Alors les célébrations en reprise. Comment pouvez-vous rassurer les chrétiens ou certains chrétiens peut-être qui, qui ne vont pas aller, oser aller à la messe pour des raisons sanitaires il me semble que euh, deux, voire trois mois sans messe, puisque nous avons commencé avant tout le monde en Alsace, euh, va nous imposer un temps de reprise progressive. Alors, il y aura ceux qui vont venir tout de suite. Je ne peux que lancer un appel, ceux qui ont envie d'y aller. N'y allez pas seul, n'y allez pas seulement avec votre famille, allez chercher votre voisin, votre voisine, peut-être les personnes qui peuvent encore se déplacer, mais qui sont encore aujourd'hui euh, confinées non plus euh, juridiquement, mais par la peur. Voilà. Il faudra aller les chercher en sachant que, je pense à telle personne qui n'a plus vu un visage humain concret depuis deux mois, eh bien, euh, il faudra les, et leur réapprendre à marcher, euh, si j'ose dire, en tous les sens du terme, et en particulier à les conduire dans l'église. Je le redis, nous avons pru, pris des mesures prudentielles dans nos lieux de culte, presque excessives, que j'espère relâcher ces prochaines semaines au fur et à mesure. La vie pastorale va également reprendre, puisqu'il y a un certain nombre de sacrements qui vont devoir être reportés, des baptêmes d'adultes, des confirmations, des, des premières communions. Là aussi, ça va être peut-être une nouvelle manière de fonctionner pour le diocèse de Strasbourg après, après l'été. Et puis, parlez-nous aussi de cet événement. Euh, le grand jubilé de Saint-Odile que nous attendions pour cette année, quand aura-t-il lieu Est-ce que vous pouvez nous le dire désormais oui, officiellement sûr. Alors donc, beaucoup de choses ont été euh, reportées ou, ou, ou décalées. Euh, en sachant qu'il y avait des baptêmes d'adultes, des confirmations d'adultes, des, des professions de foi, des mariages, etc. Alors tout ça se négocie paroisse après paroisse. Puis, il y a un grand événement diocésain qui devait commencer le 13 avril, il s'achevera le 13 décembre 2020, qui finalement va se décaler du 13 décembre 2020 au 13 décembre 2021. Donc finalement, on aura un peu plus de temps. C'est le grand jubilé de Saint-Odile, auquel nous tenons énormément parce que Saint-Odile, c'est la pat patronne de l'Alsace et de tous les les Alsaciens. C'est une femme, elle a une taille, une envergure spirituelle et écologique, on pourra le souligner, dans ce massif incroyable. Et donc nous tenons absolument à le vivre, et sachant que les personnes n'étaient pas prêtes aujourd'hui, aussi bien psychologiques qu'au plan pastoral, à démarrer sur ce jubilé. Donc on se réjouit de son ouverture le 13 décembre 2020 au mont saint odile Dernière question, Monsieur Ravel. Le philosophe André Comte-Sponville, que vous connaissez sûrement très bien, a été assez critique envers la gestion de cette crise. Et il a notamment euh, déclaré que cette crise avait montré, était révélatrice au fond que nous étions vulnérables. Nous l'avions peut-être oublié. Est-ce que vous partagez son point de vue Totalement, totalement. Et, et, et le Premier ministre a eu un mot, je crois, très juste en disant c'est une leçon d'humilité. Depuis euh, Quatre mois, cinq, voire six, pour les Chinois, tous les meilleurs savants du monde cherchent un remède, je ne parle même pas d'un vaccin, quelque chose contre ce virus, ils ça n'a toujours pas été trouvé. Donc c'est une grande leçon d'humilité pour toute l'humanité, ce n'est pas un déni de la science, hein, c'est très bien, la science travaille par étapes, c'est simplement de montrer qu'en effet, nous sommes dans une situation où nous ne maîtrisons pas tout. Nous sommes mortels aussi. Et nous sommes mortels, c'est-à-dire je, je dois dire que 100% de cette génération mourra un jour. La santé aussi a été érigée comme valeur suprême, au détriment peut-être de la justice, de l'amour, de la liberté. Euh, c'est aussi euh, quelque chose que vous avez constaté et qui peut être une erreur. Ce sont des choix sociaux et sociétaux extrêmement profonds sur lesquels il nous faudra revenir, car euh, un état d'urgence, qu'il soit sanitaire ou de guerre et autres, est toujours un état singulier. Et, 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 et j'invite tout citoyen ici, tout Français, tout chrétien évidemment est un citoyen, à revenir vers ces parlementaires pour leur demander des comptes, puisque le contrôle... Démocratique vient de nos parlementaires. Merci beaucoup, monseigneur Luc Ravel, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. À bientôt. À bientôt.